Hello, hello les amis, c'est Fritz, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, toujours sous la chaleur. Donc si je suis un petit peu transpirant, je suis vraiment désolé. Mais genre même quand tu bouges pas à cette chaleur là, et tu transpires, c'est un truc de fou. Mais bref, on n'est pas là pour parler de la chaleur, même si on est vraiment, je pense, très nombreux et nombreuses à souffrir de ça actuellement, hein, la fameuse sainte canicule. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous rafraîchir. Bon, vous avez compris, ça va pas trop nous rafraîchir, hein, forcément. Mais nous allons tout simplement se faire kiffer. On va se divertir, ça oui, ça on peut. Simplement parce que j'ai un mode ici sous la main qui est vraiment très intéressant. En plus c'est un modeur français qui l'a fait, ça s'appelle The Pingouin. Si tu regardes la vidéo, bah il se reconnaîtra. Et en fait j'ai pris le mode uniquement pour une option qui est vraiment très intéressante, parce que j'avais déjà des modes me permettant de faire absolument tout qu'il y a dans ce mode là, mais il y a une option qui est vraiment super intéressante, et c'est tout simplement en fait l'option qui te permet de pouvoir contrôler Mommy Long Legs et Oogie Woogie. Donc ça veut dire que tu peux te balader avec les personnages, sauter, faire 2-3 bails avec eux, c'est juste incroyable. Bon après tu peux pas faire le jeu comme ça avec eux, bien évidemment, à taper des grappes packs, etc. Mais tu peux les contrôler, et ça, je trouve ça énorme en fait. Donc c'est vraiment l'option que j'ai envie de découvrir avec vous. Bref, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo et que vous êtes prêts à me voir contrôler et Mommy Long Legs et Oogie Woogie. Si oui, on balance l'intro. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je suis sur le jeu, les amis, et je suis tout simplement en mode normal pour l'instant. Alors oui, là-bas, il y a une Mommy Long Legs, j'ai fait 2-3 essais avant, histoire de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Il y a une Mommy Long Legs bouchée là-bas, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Mais ce que j'ai envie de faire avec vous, oui, il y a ça aussi, c'est vrai qu'il y a mes mains de grab pack. Du coup, je vais juste faire un truc avec vous, on va ouvrir la porte ici pour voir notre petite Poppy, et je vais tester déjà avec vous de prendre notre petite Mommy Long Legs. Normalement, si je fais Play Mommy comme ça, voilà, incroyable, je peux tout simplement utiliser... Attendez, je vais cacher un petit peu les informations, sinon ça va être un petit peu chiant, mais je peux simplement, les amis, regardez-moi ça, je peux contrôler Mommy Long Legs. Alors, on essayera aussi dans un endroit un peu plus grand, genre la Game Station, parce que là, c'est vrai que bah les très grandes Mommy Long Legs, au final, dans une petite pièce comme ça, on se retrouve vite un petit peu restreint, on va dire, au niveau des déplacements. Mais non, je pense que ouais, je peux traverser. Est-ce que ça va se déclencher ou pas? Non, ça ne se déclenche pas, hein. L'animation de Poppy se déclenche pas. Je suis vraiment pas considéré comme le joueur, le player. Simplement parce que bah, normalement quand j'utilise Mommy Long Legs, j'ai mes mains en fait qui restent là où je me suis entre guillemets arrêté. Par contre si je fais ça, ah non je peux pas, ok. Mais regardez ce qu'on peut faire avec elle, c'est trop stylé, on peut sauter. Voilà, donc ça veut dire qu'à tout moment tu peux me faire faire un parcours avec Mommy Long Legs, y a pas de souci, je saute. Et elle a une sorte de réaction un petit peu spéciale. Attendez, comment je pourrais bien vous montrer? Peut-être comme ça, ou si je fais ça, vous avez vu, comme si elle voulait essayer de faire peur. Donc moi j'ai ma petite idée là-dessus, je ferai une vidéo de toute façon pour vous expliquer un bail qui peut être vraiment incroyable si ça se fait par la suite. Mais je pense que ce screamer en fait et cette Mommy Long Legs vient d'un truc bien précis. Mais voilà, je peux essayer de vous montrer comme ça, vous avez vu, hop, on dirait qu'elle essaye d'attraper quelqu'un avec ses mains, genre d'attraper quelqu'un comme ça, peut-être pour le manger, je sais pas. En tout cas voilà, vous avez bien vu, on peut contrôler cette petite Mommy Long Legs et je trouve ça juste incroyable. Mais bon, on va avancer un petit peu dans le jeu, histoire d'arriver jusqu'à la Game Station, parce que là en fait c'est pas assez grand, tu vois, pour pouvoir bien se déplacer. Et je vous montrerai le fameux aussi Oogie Woogie en même temps à ce moment là. Tester Mommy Long Legs c'est bien, mais tester Mommy Long Legs et Oogie Woogie c'est encore mieux. Je pense que ça, il n'y a pas de doute là dessus Donc normalement si je veux revenir au mode normal, j'ai juste qu'à faire play normal et je vais tout simplement redevenir en mode joueur, je crois. Oula, 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 non mais je fais play Mommy, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah voilà, ah là, je me suis complètement meugé les amis. Où est-ce que je suis? What the fuck? Où est-ce que je me suis mis? Je suis en dessous de la map en fait. Ok, je suis en dessous de la map. J'ai fait complètement glitcher le jeu. C'est absolument pas ce qui devait se passer, hein. Je pense que ça, bon, vous l'avez bien compris, ce n'est pas du tout ce qui aurait dû arriver. On a d'ailleurs toujours une petite Mommy Long Legs, hein, qui se trouve là-haut. En fait, je me suis trompé, j'ai appuyé plein de fois sur Play Mommy Long Legs. Et ça a foutu la merde de fou. Ah bah regardez, voilà, vous pouvez voir la Mommy Long Legs que j'avais essayé de faire pop au tout début, histoire de voir si ça fonctionnait bien ou pas. Bon là, vous l'avez compris, je me suis bien bugué. Je vais essayer... Il y a une Mommy Long Legs aussi qui est tombée avec moi. Je vais essayer de bien me remettre dans le jeu, parce que là c'est du grand n'importe quoi. Regardez les BG, j'ai relancé le jeu, ce que j'ai fait un petit peu bugger. Mais regardez, il y a aussi le mode gosse sur ce mode qui est intégré. Du coup ça me permet, je pense, logiquement, normalement, de faire avancer le jeu. Voilà, tu vois, je peux quand même toujours interagir avec les objets, etc. Donc je pense que là ça va activer, je crois, hein, la cinématique de Poppy, ou peut-être pas finalement. Eh ben non, finalement non, Poppy est en train de regarder dans le trou. Donc peut-être qu'à ce moment là ce que je dois faire, c'est que je dois tout simplement, ouais, désactiver à mon avis le mode ghost. Si je fais ça, on sait le désactiver, je crois. Ah non, je dois faire walk. Voilà, je suis désolé, je n'ai pas encore vraiment complètement en main. Mais du coup là c'est bon, regardez, ça va activer la séquence. Oui, ok, deux Poppy.
Donc là, le but, ça va être d'aller dans la Game Station. On va pouvoir tester 2-3 trucs. Ok, Poppy vivra sa pire vie. Hein, très clairement, on va pas se mentir. Du coup, on se retrouve à la Game Station. On va pouvoir expérimenter 2-3 petites choses. Et honnêtement, ça risque d'être très intéressant. Ok, nous voilà enfin arrivés à la fameuse Game Station. L'espace le plus grand. L'endroit, en tout cas, le plus grand qu'on peut avoir. Du coup, là, je serais bien chaud de retenter de rejouer notre petite mère. J'ai invoqué 2 momies long legs. Bah, écoutez, c'est pas grave. Il y aura 2 momies long legs. Mais voilà. Hop, je peux vraiment me déplacer tranquillou avec notre petite momie long legs. Et elle est solide parce que regardez, quand il y a des obstacles, on sent que ça touche en fait momie long legs. Genre là, tu vois, par exemple, je peux pas avancer plus, alors que si je saute, je peux passer par dessus. Donc c'est plutôt stylé et je peux continuer bien évidemment, voilà, de faire des fameux screamers comme ça. Franchement, c'est lourd de fou. Mais comme je vous l'ai dit, tu peux pas interagir avec des objets ou quoi. Tu vois, je peux pas commencer à abaisser des leviers, c'est normal. Et l'autre momie long legs, bah, je pense qu'elle va rester là très longtemps en fait. Hein. Bon, maintenant, on va essayer, les amis, de faire Oogie Woogie. Alors, si je fais Play Oogie, ah, est-ce que c'est bon ou pas? Attendez, Play Oogie. Ouais, c'est bon, les amis, trop stylé. En vrai, c'est lourd de fou. Hein. Voilà, c'est bon, je suis Oogie. Ah, incroyable. Alors, j'ai fait pop un autre Oogie parce que on peut aussi avoir des amis aussi, du coup, d'avoir par exemple Oogie qui nous suit, comme j'ai déjà pu montrer avec bah, un autre mode que j'ai. Il y a aussi Momie Long Legs qui peut nous suivre, une Momie Long Legs bah, comme celle-là. Mais ici, c'est un Oogie complètement différent. Alors, il a un petit style quand même, on dirait un peu un Oogie Woogie Shiny. Bon, il y a eu quelques bugs au niveau de la texture, mais si vous remarquez bien, là, c'est le Oogie en mode evil, donc en mode méchant avec la bouche et les dents. Alors que le Oogie gentil, celui que tu peux avoir en ami, c'est le Oogie tout simplement qui est gentil. Donc avec le sourire, alors que là bah, je ne souris pas du tout. Par contre lui, je remarque qu'il n'a pas de screamer. Il peut sauter comme Momie Long Legs, il peut sauter, mais il ne peut pas faire de screamer ou genre essayer d'attraper plus ou moins quelqu'un. Par contre il peut aller embêter s'il en a enlevé Momie Long Legs là, hein, qui est complètement buggé. Je sais pas ce qu'elle fait, mais elle court face à cette barrière. Mais c'est vraiment stylé de fou en vrai, hein. Vous imaginez, on pourrait carrément interagir avec les objets du jeu en étant soit Oogie Woogie et Momie Long Legs. Mais c'est impossible, vous savez bien que c'est impossible. C'est déjà énorme de juste là pouvoir juste se déplacer avec Oogie Woogie comme si on jouait à un autre jeu en fait. Alors que non, on est bel et bien sur un mode dans le chapitre 2. C'est juste incroyable. J'espère que ce pingouin aura peut-être d'autres fonctionnalités qui pourraient être vraiment cool. Des trucs assez amusants ou quoi que je pourrais peut-être vous montrer en vidéo. Ce serait vraiment énorme. Mais du coup, ouais, il y a pas mal de choses quand même sur le menu. Faire jouer en mode normal, voilà, ça c'est mieux. Je disais, ouais, il y a pas mal de choses sur le menu. Par exemple, tu vois, si je fais Oogie Friend, hop, Oogie Friendly. Bah c'est là que je vais pouvoir avoir un Oogie qui est censé être mon pote, mais là c'est le Oogie en mode méchant, comme vous pouvez le voir. Et là, comme vous pouvez le voir, on a le Oogie gentil. Le joueur, ici, voilà, sauf que lui il ne bouge pas, j'ai l'impression. On a Momie aussi. Et là, vous avez vu, j'ai vraiment plein de potes qui peuvent me suivre, c'est un truc de fou. Le bordel, voilà, je viens de créer vraiment la foire, là, c'est pas possible. Là. Il y a trop de personnages réunis, trop de personnages qui bougent. Bah, attends, il a carrément renversé le panneau, il s'en bat les couilles. Ok, il n'y a plus de respect, le respect est mort. Donc ouais, il y a là les momies long legs, on se croirait au zoo, genre tu peux te faire une petite visite. On croirait vraiment au zoo, le zoo Poppy Playtime. Il y a trop de personnages, mais ouais, le demi ici, il ne bouge pas. C'est bien dommage, mais bon, vous avez déjà vu une vidéo de moi. J'ai dû sauver justement ce fameux player ici. Par exemple, avec tous les personnages, je vais dans une épreuve style Musical Memory. Est-ce que vous pensez que le lapin va les choper ou pas? C'est n'importe quoi, il y a trop de personnages là, c'est n'importe quoi. Donc suivez-moi les copains. Suivez-moi, on est combien là? On est 3 actuellement. Ok, bon, il n'y a pas tout le monde parce que j'ai pas invoqué tout le monde en mode ami. Il y en a qui ne bougent pas, qui font leur propre vie. Et du coup, si je vais là, ouais, ça active le jeu. Donc j'ai... Ah non, 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 merde! Ah non, il n'y a que Oogie qui a survécu, ce Oogie là. Les autres sont bloqués derrière. Bon, c'est pas grave, je vais les invoquer. J'invoque une momie. Et voilà. Parfait, là j'ai tous mes poteaux avec moi. Allez, vois ça. On a le Oogie gentil, la momie long legs et le Oogie en mode méchant et shiny. Ok, bah je vais attendre un petit peu, histoire que le fameux Bunzo Benou là-haut commence à faire ses bails. Alors il y a un petit problème, j'ai fait tomber j'ai fait tomber Oogie, le méchant. Bon écoutez, c'est pas grave, je vais essayer de rester comme ça alors. C'est les autres qui ont pas réussi du coup à venir, bah oui forcément, ça s'est ouvert là, du coup ils sont juste derrière. Voilà, c'est vraiment Momie normalement qui est censé tout se prendre, mais bon, vous doutez bien qu'il va trouver un moyen, un stratagème de venir me choper le Bunzo, alors que je ne suis pas du tout dans sa ligne de mire. Attention, attention, voyons voir ce qui se passe. Cette scène n'a aucun sens par contre, vraiment, de voir Bunzo, Oogie et Momie Long Legs réunis tous ensemble. Oh, allez, il descend, mais genre vers un moins invisible en fait. Ah bah ouais, c'était sûr. Par contre, on a vu quand même Momie Long Legs qui était dans l'écran du screamer, donc elle a quand même essayé, malgré tout, de me protéger, j'ai l'impression, de la mort. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. J'ai beau avoir un max d'amis sur Poppy,
Bah ça ne fonctionne pas, malheureusement Bonzo Money est trop fort. En tout cas, GG à ce pingouin pour son super boulot. Le mode est vraiment très très cool, il y a pas mal de choses à faire. Donc franchement, continue comme ça. Et sinon, bah les BG, moi j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un maximum de likes, en commentant comme d'habitude dans l'espace commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Allez, je vous retiens pas plus, je suis en train de crever de chaud, je vais aller boire un coup. Prenez soin de vous, portez-vous bien, c'était Free, ciao ciao.